We're going to follow a live stream with a team of surgeons at the King Faisal, performing what we've been hearing since the conference started, the minimally invasive surgery. Donc moi, c'est le docteur Limba, chirurgien digestif et thoracique. Vous avez déjà préparé le patient, il est installé. C'est un monsieur, une madame? C'est une patiente. Elle présente des lithiases vésiculaires symptomatiques. C'est quoi des lithiases vésiculaires? Elle a des pierres dans sa vésicule biliaire et qui régulièrement lui entraînent des problèmes, des douleurs. Mais a priori, elle n'a encore jamais présenté de crise de cholecystite, pas d'infection. Mais on va découvrir. Donc elle a régulièrement des douleurs liées à ces pierres qui sont dans sa vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est une petite poche qui est située en dessous du foie et qui sécrète la bile. La bile, c'est un liquide qui permet de digérer le bol alimentaire, en tout cas pour partie. Et donc le principe ici, c'est d'enlever la vésicule biliaire. Oui, je vais enlever la vésicule biliaire. Alors autrefois, cela se faisait via une grande incision. C'est bien. Une grosse ouverture, juste en dessous des côtes, à droite. Ça fait mal. La durée du séjour hospitalier est généralement de plusieurs jours. Et évidemment, il y a des douleurs post-opératoires. Le principe de ton intervention, Augustin, aujourd'hui, c'est d'enlever cette poche par des petits trous. Par des petits trous. Voilà, on voit sur la caméra que tu as installé des trocars. Ce sont des petits instruments qui permettent d'introduire des pinces et des ciseaux à dissection. Voilà, donc mes trocars sont en place. Oui. Les deux trocars de 12 sont des petites incisions. Les deux trocars de 5 pour me permettre de réaliser l'intervention. Augustin, oui? Combien d'incisions? 1, 2, 3, 4 incisions. Okay. Donc 2 de 5 mm. Okay. Et 2 de 12 mm. D'accord. Alors, on pourrait penser que la patiente est enceinte, mais ce n'est pas le cas. Non, c'est parce que elle a simplement le ventre qui est gonflé du avec du gaz, du CO2, qui permet d'augmenter l'espace dans la cavité abdominale pour pouvoir travailler et procéder à la résection de la vésicule biliaire. Je travaille avec l'optique de 0 degré. Donc, on va aller découvrir. On va attendre un peu que la buée, puisque la caméra est restée un peu longtemps, l'optique dehors, donc ça s'est refroidi. Augustin, tu nous expliques ce que tu vois? Voilà. Donc, on rentre dans la cavité abdominale. Et je vais vous montrer ici, avec une pince qui me permet d'entrer par mon trocar de 5 mm. Et voilà, j'arrive en intra-abdominal. Le foie qui est d'aspect normal ici, qui n'est pas cirrhotique, son suspenseur, le foie gauche, son estomac qui est là, son colon transverse, l'angle splénique du colon et l'objet qui nous amène ici aujourd'hui, c'est sa vésicule biliaire qui est là. Donc, je vais introduire mon autre pince ici pour mon assistant qui va m'aider à exposer. Donc, on a la chance que sur le plan anatomique, les choses se présentent bien. Donc, je tire, vous voyez, il y a quelques adhérences ici, les feuillets, pour Itenoyo. Son duodenum est là. On voit déjà par transparence sa voie biliaire, son canal commun hépatique commun ici, et son cholédoque est là. Et l'artère hépatique médialement. Donc l'intervention va consister à aller libérer, ouvrir le feuillet antérieur du triangle de Callot qui est là. Donc je vais commencer. Je cherche ma pédale. So he's using electrical power to coagulate the tissues and to dissect the different planes between mainly the liver and the gallbladder. Donc voilà. And he's very concentrated, as you can see. Ouvrez fenêtre.
Voilà. Et ça, c'est le collet de la vésicule. Donc, je vais de nouveau aller reprendre plus près pour avoir une bonne traction pour exposer mes éléments. Donc, je vais demander à mon assistant de... Voilà, parce que ce lobe gauche vient m'embêter un peu. Donc, on voit ici le collet de la vésicule qui est là. La voie biliaire principale, le collet d'oc est là. Donc, moi, je vais ouvrir ici ce qu'on appelle le feuillet antérieur. S'il y a des questions dans la salle, voilà. Questions in the room? So it's under general anesthesia. There is a question there. Ouais. Une question de monsieur. Ben oui, le patient est toujours, comme on est en laparoscopie, c'est toujours sous anesthésie générale. Hein? Bien sûr. Pourquoi? Ben parce que quand on gonfle le ventre comme ça, on ne sait pas le faire sous local parce que c'est inconfortable pour le patient. Il y a... D'accord. Ce serait douloureux. Ouais. OK, there is a question. OK. Donc voilà. Là, je vais aller ouvrir mon feuillet postérieur. Il y a une question, Augustin. Yes. Oui, je t'en prie. Docteur Tugirimana Moussa, je travaille à la Croix du Sud, un hôpital privé ici à Kigali. Est-ce que vous vous êtes assuré ou vous allez vous assurer de la vacuité de la voie biliaire principale? Oui, biologiquement si parlant, il n'y a pas de vésicule. Oui. Est-ce que vous comptez faire une cholangiographie péropératoire ou bien est-ce que vous avez fait un examen à part la biologie, un examen tel par exemple la cholangio-RMN? Oui, donc ça c'est oui, effectivement. Pour être sûr qu'il n'y a pas de lithiase dans le canal cholédoque. Oui, ici, cliniquement parlant, en fait, il n'y a rien qui nous fait suspecter ça. Elle a une biologie sur le plan hépatique qui est tout à fait froide. Elle ne décrit pas de signes de migration lithiasique. Donc, il n'y a pas de nécessité de le faire systématiquement. Si, par exemple, elle avait des enzymes hépatiques élevées et des signes de cholestase, alors on a des raisons d'aller chercher s'il n'y a pas de migration lithiasique. Ici, il n'y a pas de raison. So this is a very technical question. I'd rather say a medical question. Which is basically, is there any idea of whether there is a stone into the little channel that brings bile to the intestine? And here it's been checked, and there's no reason why there would be a angiography at this stage. Voilà. Je m'excuse, hein, je continue l'intervention, comme ça on ne la maintient pas endormie longtemps. Oui, oui, travaille. C'est important, tu dois rester concentré. On peut continuer à dialoguer, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ouvre toujours le feuillet postérieur du triangle. Il y a une question in the room, Augustin, but I would like to know how many cases are needed to be able to do that surgery. Oh. So what is the learning curve? I hope that à partir de 15, on peut se dire qu'on peut les faire facilement, mais il ne faut pas oublier que la cholecystectomie est une des interventions les plus difficiles aussi à faire parce que c'est l'endroit de l'organisme où il y a le plus de variabilité anatomique. OK. So the answer is 15. And, probably for simple cases. Voilà, 15. Pour les, comme ici par exemple. Mais sinon, les cas difficiles, parfois... C'est... OK. There is a question there. Est-ce que ce ne serait pas possible d'enlever les pierres sans devoir enlever la bile vésicule, si on connaît la fonction de cette bile, surtout avec les conséquences que certains patients, par exemple, ont tendance de devenir... Oui, il n'y a pas de nécessité. Donc, en fait, si on enlève la vésicule, il faudra ouvrir la vésicule, donc faire une cholédochotomie, enlever la vésicule, enlever les pierres dans la vésicule, suturer cette vésicule avec le risque de contamination biliaire, donc de collée péritoine. Alors qu'on peut vivre sans vésicule. Donc, cette vésicule qui a fabriqué des pierres, c'est parce que la bile est lithogène. Donc, le fait d'enlever les pierres, ben, la vésicule va en refabriquer. Donc, il n'y a pas d'intérêt d'enlever uniquement les lithiases. Il faut enlever la vésicule en entièreté. Donc, on peut deviner déjà ici, voilà. Je ne touche pas, hein, mais ça, c'est mon cholédoque qui est là. Notre ganglion, le canal cystique et l'artère cystique qui est juste là au-dessus. Donc je vais essayer
de squelettiser tout ça. Donc à chaque fois, tu utilises l'électricité pour coaguler. Ouais. Et parfois, donc, on utilise aussi des clips. Des voilà, clips je vais métalliques. Le faire après tout à l'heure. D'accord. Une fois, voilà, le foie gauche nous tombe dessus, mais ce n'est pas grave. Bonjour, docteur Estola, chirurgien digestif. Hey. Je veux surtout revenir sur la question qui a été posée par rapport à l'anesthésie générale, pour donner une petite précision. Il faut savoir que les interventions laparoscopiques se font sous anesthésie générale, parce qu'il y a un grand principe qui est la curarisation. Pour avoir cet espace dans lequel ils travaillent, il faut que les patients soient curarisés et que voilà. Le ventre puisse bien se distendre. Or, sous anesthésie locale, on ne peut pas le faire. C'est pour cela que de temps en temps, s'il y a le malade qui tente de se réveiller et qui contracte la paroi abdominale, vous allez voir, il va systématiquement demander à l'anesthésiste de relâcher le malade pour qu'il puisse avoir un espace convenable pour travailler. Le curare étant un médicament qui relâche totalement les muscles. Voilà. Curare. Merci. Pas le curaçao, le curare. Voilà. Ça peut relâcher aussi. Hein. Ici. Augustin, oui. I have a question for you. On peut faire une fenêtre. When was the first removal of the gallbladder performed by laparoscopy by general surgeon? À la première fois, ça a été fait en 87, oui. Je pense, en 1987. C'est en France, la première cholecystectomie laparoscopique. Je crois que c'est le professeur Mouret qui l'a fait. Je ne sais plus d'où, je crois que c'est à Lyon, mais je ne sais plus. Mais c'est en 87. OK. En France. OK. In 1987. Mais comme tu le sais bien, hein, Michel, c'est vous oui. qui avez commencé la laparoscopie. Ah, merci, Augustin. This is the next comment, because indeed, in gynecology, in we began yes. Laparoscopy before, in a long time ago. Palmer performed the first laparoscopy in the middle of the last century. Est-ce que la durée de l'opération est beaucoup plus importante que si tu devais faire une chirurgie ouverte? Non. Parce que, un, on a l'impression que l'installation prend beaucoup de temps, mais ce n'est pas vrai. D'accord. Et la vision est mille fois mieux. D'accord. Donc, en fait, ça ne pose pas de problème d'engorgement. Non. Des blocs opératoires. Absolument pas. Il ne faut pas oublier que tu dois fermer seulement des petits trous et pas une grande incision, ce qui prend moins de temps. Que du contraire, voilà, oui. C'est ça. Et au début, ce n'est pas une course de vitesse, évidemment, mais c'est des interventions. Non, quand on a l'habitude, on peut le faire en 20 minutes. Hein. Bien sûr. Voilà, surtout donc toi, je vais vous montrer ici. Donc la dissection du pédicule est terminée. Ça, c'est mon. C'est quoi un pédicule? Ben, c'est le pédicule cystique, donc c'est le D'accord. canal cystique. Le canal cystique oui. qui est là, qui est mm-hmm. squelettisé, son artère cystique qui est là au-dessus. Donc mes deux éléments mm-hmm. qui relient ma vésicule à la voie biliaire principale et au cholédoque sont individualisés, donc je peux les clipper de façon D'accord. certaine pour déconnecter ma vésicule de la voie biliaire. Ok. C'est Augustin, mots, il y a une question. Oui. Oui. Bonjour Augustin, bonjour à tout le monde. Docteur Benadi, chirurgien urologue. Augustin, peux-tu nous expliquer et nous remontrer les différentes structures que tu es obligé de respecter et surtout les conséquences si tu venais à les léser et aussi quel est l'avantage de la laparoscopie, comme tu viens de le dire. Donc général, on voit beaucoup mieux ces structures. Donc, l'avantage de la laparoscopie en général, ça c'est. Comme David l'a aussi rappelé, c'est que les incisions sont beaucoup plus petites, donc il y a beaucoup moins de douleurs en post-opératoire. Il y a moins d'infections de ce fait-là, moins d'abcès de paroi. Il y a moins de risques d'éventration plus tard. Et ça crée aussi moins d'adhérence. De fait de tout ça, les patients reprennent leurs activités beaucoup plus vite que par la laparotomie. Ça, c'est le volet, l'avantage de la laparoscopie. Et les éléments, on le voit bien ici, on a la chance que là, c'est notre voie biliaire principale, dont le canal hépatique commun qui est là, qui sort du huile hépatique. Et à partir du moment où le cystique vient se jeter dedans, ben le cholédoque il est là, on le voit bien. Et ça, il se jette non, ici dans pas. Notre duodenum. On ne voit pas, Augustin. Vous ne voyez on pas On ne voit pas, nous. Non, on n'a pas voilà, la vue interne. Okay, maintenant, on voit. C'est okay. Là, d'accord okay. Réexplique. Donc, oui. La question de Toufik tout à l'heure, c'est que
si je clippe, le risque c'est de clipper en partie cette voie biliaire principale, le cholédoc, qui va créer une sténose et le patient va développer un ictère, il sera jaune, et par la suite une angiocolite. Et pour essayer d'éviter ça, donc vous allez voir, je vais mettre mon clip ici. Vas-y, check. Voilà, côté vésicule. Bon. Donc j'ai pris la précaution de laisser un moyen cystique qui est là. Donc il y a un autre canal qui va de la vésicule au cholédoc. Je ne vais pas essayer à clipper ici parce que là, je risque de... Il ne faut pas aller flirter avec la voie biliaire principale. Et quand on fait sa dissection, il vaut mieux rester aussi le plus près possible du collet. Comme nous, on travaille beaucoup plus avec une énergie monopolaire, on risque d'avoir des brûlures et quelques jours plus tard, un collet péritoine parce que la brûlure est passée inaperçue et au bout de 48 à 72 heures, il y a une chute d'escar. Donc voilà, le canal cystique est clippé par deux clips et on voit l'artère cystique ici. Ce que je vais faire, pour me donner un peu de jeu de ciseaux, please, c'est de couper on ce voit canal très, cystique. Très bien. Hein? Ouais. Très très bien. C'est un beau cas pour la reconstruction. On remercie d'ailleurs ceux qui se sont occupés de la logistique du streaming. Très bien. C'est un beau cas. Voilà. Voilà. Hop, ça c'est le canal cystique qui est clippé, coupé. Le moyen qui reste côté patient. On voit très bien notre cholédoc ici. Mm-hmm. Et je vais encore essayer de... Maintenant que je vois bien notre artère qui est au bout de mes ciseaux, je vais libérer la derrière, squelettiser mon artère. Voilà. La fenêtre est réalisée. Comme ça, je peux... Voilà, on voit la fenêtre qui est là. Donc, ma vésicule biliaire qui est là, dans ma main gauche, ici, ne tient plus que par cette artère cystique que je dois aussi clipper et contrôler. Clip, please. Est-ce que les clips se résorbent dans l'organisme ou ils restent là? Non, il faut bien les mettre. Non, ça, c'est des hémologues, c'est des non-résorbables. C'est non métallique, mais ce n'est pas résorbable. D'accord. Et ça ne pose pas de problème? Oui. Parce que le problème, si ça se résorbe et que la fibrose n'est pas encore faite, ce moyen cystique peut fuiter. Hein. Another clip, please. Voilà, là j'ai clippé l'artère cystique côté patient. Une fois que ces deux éléments sont contrôlés, il ne restait plus qu'à décoller la vésicule du lit vésiculaire et l'intervention est terminée. Voilà. Augustin, ça a l'air très très facile. Hein. It seems to be very easy, but what are the perioperative complications? Because I imagine that some complications could appear. Parce que le cas ici est aussi un cas qui s'y prête bien, donc on voit tout. Oui. Parfois, d'habitude, il faut aller chercher dans un amas graisseux ou alors la patiente a fait des cholecystites et ça colle. Il y a des adhérences, des accolements qu'il faut aller libérer. C'est des interventions qui peuvent prendre 20 minutes, une demi-heure, comme ça peut vous prendre 3 heures, hein, même pour les gens entraînés. Donc ça peut saigner pendant l'intervention? Ça peut saigner par moment. Comme je vous disais, c'est un endroit où il y a le plus de variabilité anatomique. On peut avoir parfois deux artères cystiques. Le canal cystique peut passer devant, derrière. C'est vraiment... Ça peut être très piégeux comme chirurgie. Voilà, donc là, je suis en train de décoller cette vésicule. Et boum, le foie saigne un peu. Ce que je ne suis pas dans le bon plan. Augustin, si tu touches le foie avec l'électricité monopolaire, c'est un problème? Non, absolument pas. Parfois, si... Je vais changer mon mode de coagulation ici, si vous permettez. On peut me passer en spray, s'il vous plaît. Mais some question from the 35, participants. 35, parce que là on travaille avec 35, 35. Yes. Yeah. There is a question.
Thank you. Merci. Non, donc comme on disait, si on coagule de trop, parfois on a juste un post-opératoire, s'il arrive qu'on fasse une prise de sang, quelques perturbations, des élévations d'enzymes hépatiques sans, okay. sans aucune conséquence. Il y a une question, Augustin. On a une question pour toi. Allô, docteur Augustin, c'est Vivien. Oui, salut Vivien. J'aimerais savoir quel est le temps que vous pensez que le patient, l'opération va prendre avec la chirurgie laparoscopique par rapport à la chirurgie conventionnelle. Ah. Deuxièmement, quel est le temps que vous pensez que le patient mettra avant de se remettre au travail et quitter éventuellement l'hôpital? Merci. Ben oui, ok, merci Vivien. Donc, quitter l'hôpital, si tout se passe bien, la patiente sort demain. Au premier jour post-opératoire. En général, la reprise du travail se fait assez rapidement et ça dépend de nouveau de ce qu'on fait comme boulot. Mais en général, la... c'est très rapide. Moi, les gens qui travaillent, qui ne sont pas des activités lourdes, au bout d'une semaine, on est opérationnel. Hein? Ici, c'est cet après-midi, il n'est pas trop tard. Elle va boire après l'autorisation de nos anesthésistes dans l'après-midi. Boire de l'eau. De l'eau, oui. Elle pourrait même manger léger ce soir, hein, c'est pas un problème. Et demain, elle sort. Et si c'était une chirurgie conventionnelle par voie ouverte? Ça, je ne veux pas trop. Mais, oui, mais parfois, ils sont une semaine encore à l'hôpital. Parce qu'on fait une incision sous-costale, qui est d'environ 15 cm, qui est souvent très douloureuse, parce qu'on est juste en dessous des côtes. Et les patients, au bout de 3 jours, ils sont encore dans leur lit. Parce qu'ils ont mal. Et l'autre inconvénient, c'est que, comme ils ont mal, c'est sous les côtes, ils ne ventilent pas bien, donc ils font des surinfections respiratoires, pulmonaires, qui prolongent le séjour. Donc, honnêtement, c'est totalement, c'est incomparable. Incomparable, c'est le mot, incomparable. J'imagine qu'ici, si dans l'audience, si tout va bien, vous deviez avoir une cholécystectomie, vous préféreriez ce type d'approche, c'est évident. Et encore une question, là, monsieur. Oui, alors, je suis docteur Mangala du Cameroun. Ma question s'adresse pas à Augustin. Bonjour, Augustin, c'est Georges. Oui, salut, Georges. Ma question s'adresse plutôt au professeur Nizol. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que cette technique a un impact sur le plan de l'économie de la santé chez nous en Afrique? Ah, merci. Certainement, avec les réponses qui viennent d'être faites, durée d'hospitalisation plus courte, retour au travail plus précoce, ce sont deux facteurs qui vont permettre d'avoir des avantages sur les finances publiques, je vais dire. Donc c'est un avantage, bien sûr. Et donc le coût de l'hospitalisation, c'est sûr qu'il faut investir dans le matériel, mais le matériel, c'est un matériel que vous utilisez pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça dépend un petit peu de l'évolution aussi du matériel, mais ça ne peut être que gagnant pour la société, clairement. Donc voilà, moi je continue pensais à avancer. Vous allez me demander si je faisais des cholécystectomies, mais non. Hein. Oui, Augustin, on t'écoute. Donc je dis, je continue moi à avancer ici. Oui, c'est bien, tu avances bien. Oui. Très très bien. Je vais essayer de ne pas perforer la vésicule. Parce que quand c'est... Et en fait, tu vas la sortir comment cette vésicule? Parce que tes incisions sont toutes petites, 5 mm. La vésicule m'a l'air de mesurer quand même quelques centimètres. Oui, elle est quand même, ouais, c'est une grosse poire là, oui. Mais je vais la sortir. Et donc tu vas... Je vais la sortir par mon incision. J'ai deux trocars de 12 mm. Hein. Oui. Et je vais la sortir dans un sac pour essayer de diminuer la contamination, pour éviter, pardon, la contamination pariétale. Donc je vais vous montrer tout à l'heure quand j'ai fini. Je mets la vésicule dans un sac et je sors par mon trocar, par un des trocars de 12. Donc. Alors, Augustin, pour des raisons de timing, on va devoir t'abandonner. Ça va, sans problème. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très beau boulot. Ouais, merci. Peut-être rappeler que cette patiente, probablement, en l'absence de complications, sera à la maison. Demain matin. Ouais. Dans certains cas, même le soir même. Tout à fait. Les avantages de la chirurgie mini-invasive sont très nombreux. Durée d'hospitalisation plus courte, moins de douleurs post-opératoires, moins de nécessité de recourir à des antalgiques, reprise des activités beaucoup plus précoces,
et par ailleurs un coût nettement moindre pour la société puisque les patients peuvent reprendre leurs activités professionnelles plus rapidement ou leurs activités familiales également. Donc merci beaucoup Augustin. Je vous en prie. Bravo Augustin. Bravo, bravo. Merci. À tout à l'heure. Bonne conférence. Je voulais revenir sur la même question et l'impact économique de l'intervention. C'est par rapport au coût d'accès. Si, par exemple, un paysan voudrait accéder à cette intervention, le coût pour accéder à cette offre de soins par rapport à l'autre intervention par une chirurgie ouverte, par exemple, est-ce qu'il y a une différence de coût par rapport à cela? Je comprends bien que la durée est réduite en post-opératoire et que la reprise du travail s'est faite plus rapidement, mais les coûts d'accès au service, est-ce que ce n'est pas trop exorbitant? C'est la question que j'avais. La petite deuxième question, elle est un peu plus technique, c'est que quand on décolle la vésicule biliaire, il y a une petite sorte de plaie qui reste sur le foie. Est-ce que ça n'a pas de... Ça peut fibroser, ça peut évoluer comment? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire des suivis biologiques, biocliniques, comme des examens des enzymes hépatiques, par exemple, pour voir si le foie a été touché et qu'il a réagi à cette intervention? Merci. Si c'est à moi que vous vous adressez, donc moi je suis gynécologue, donc concernant le suivi et les risques de plaies hépatiques, je pense que Augustin l'a expliqué pendant l'intervention. Si on a un doute ou une coagulation un petit peu trop intempestive sur le foie, ça peut arriver, on contrôle les enzymes hépatiques, mais je ne pense pas qu'il y ait un suivi nécessaire, régulier des enzymes hépatiques, je ne pense pas. Mais il faudrait poser la question à un chirurgien digestif. Et pour répondre à votre première question, je pense que tout dépend un petit peu des critères de remboursement de la chirurgie. Donc pour vous expliquer, en Belgique, les patientes ne payent pas plus cher pour être opérées en endoscopie. Maintenant, je ne connais pas votre système de remboursement au Rwanda, mais ce qu'il faut éviter certainement, c'est de faire de la médecine à deux vitesses. Donc les patients qui peuvent se payer la chirurgie endoscopique y vont, et ceux qui ne peuvent pas vont à la laparotomie. Mais donc ça, je pense que c'est une question qui est à adresser aux autorités du Rwanda. Merci beaucoup, professeur Michel. Merci à tout le monde. On a un peu... Il est là. On va lui poser la question. La question est... Une très bonne question, c'est l'accès aux soins de santé, en particulier à ces technologies, dont au final, on sait qu'ils coûteront moins cher au système de soins de santé que si on faisait encore les grandes incisions. Donc je pense que là, il y a des implémentations que vous allez sans doute faire hier. Vous connaissez bien le Rwanda. Non, mais ce qui est clair, c'est que tout... Les avancées, tous les progrès doivent profiter à tous, en fait. Il n'y a pas de soins de qualité s'il n'y a pas d'équité. Donc là, au Rwanda, ce qui se passe, c'est que tout le monde est couvert par une assurance, l'assurance communautaire ou une autre assurance, mais par voie de système de référence, tout le monde peut accéder à des soins comme ça. Je suis sûr que parmi les 120 patients que vous opérez cette semaine, c'est des gens qui sont couverts par l'une ou l'autre des assurances nationales. Donc, ce qui nous embête, c'est que ça ne va pas assez vite. Si ça pouvait aller assez vite, on généraliserait ça partout dans le pays. Parce que, comme vous le dites, à plus grande échelle... Non, je savais que c'était fait en 97, ici. Merci. Oui. Merci à tout le monde. So, the gallbladder has been fully dissected. Yes. And it's going to be placed into a bag, basically a plastic bag. And one of the small incisions will be enlarged so that this endobag will be removed through this a little bit enlarged incision. So this is the system. It's yes. Introduced. This is totally disposable. So it's going to be trashed afterwards for the sake of... Ok, voilà, le sac est déployé. Hop, vous voyez David, là-bas. Ouais. Oui, c'est comme voilà. La pêche au moule. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc, bravo. Bravo Augustin. Voilà. We have a standing ovation here. Ah, ovation, ça, sorry. C'est pour Michel Nizol, ça. Ovation. Ok, voilà, merci.
Voilà. Nous, on va terminer d'enlever donc, cette vésicule. Tu vas tout sortir. Ça, c'est le petit câble pour mettre le... Voilà, on sort tout ça. Do you leave a drainage? No, it is not necessary. No drain. No. Okay. Thank you. Voilà, hop. There we go. La vésicule est là. Okay. Excellent. Thank you. Merci beaucoup, yes, Augustin. Merci à l'équipe. Ne pas oublier que c'est un travail d'équipe. Avec les infirmières, tout le staff. C'est pas un problème. Voilà, et tu as toujours un aussi beau chapeau. Merci. Grâce, please. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Zina nitwa Nzamuye Akem Diedone. Iyi ndwara ifata umuntu akabyimba inda, akababara mu nda. Uko twabyifashemo nabashe kunyura mu bitaro byinshi bitandukanye bataramenya iyo ari yo. Ni calcul biliaire mu Kinyarwanda nagendekereza ngo ni amabuye aba mu gasabo k'indurwe. Iyi ndwara ni indwara ikomeye cyane yagufashe ntacyo wakwimarira. Ibimenyetso byawe biza ari crise aho igufatiye ugwa hasi ubabara mu nda ukaruka ntacyo ubasha kwimarira muri makeya ako kanya biba ngombwa ko bakubitiriza ku bitaro biri hafi bakareya ni mu buzima bwawe aya ni amabuye aba mu gasabo k'indurwe ariko izina nyaryo ngo ni calcul biliaire nibyo bibabaza muri ubu burwayi ubwo nge barabaze babikuyemo ntabwo nzongera kubabara byarashize abantu bateye kumva ko ari amabuye aba mu muhanda cyangwa se hehe nasangwa muri ako gasabo k'indurwe biva mu mubiri abaganga bambaze ndabashima by'intangarugero kandi nambasabira umugisha ku Mana kuko iyo ntabagira ntabwo mba ndi kuvuga karagira ngo nshimire n'igihugu muri rusange cyabidufashijemo namwe abanyamakuru mutujyanira ubutumwa ku bandi baturage bameze nkatwe bababaye kandi n'abari kundeba kuri televiziyo mbabwire ngo nta gikanganye kirimo abenshi batinya kuza kubagwa ariko ni uburyo bworoshye n'ikoranabuhanga rikomeye urabona ko bambaza ejo bundi kuwa mbere ariko ubu ndavuga ndagenda nta kibazo kandi nakize